Bonjour. Bonjour à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Under of Tinder sur mon iPod Touch. Quatrième génération avec 8 Go de mémoire. Alors sur le Under of Tinder, il y a la possibilité d'acheter la version complète parce que là je joue avec la version d'essai. Vous comprenez la version d'essai? Et donc là, j'ai sorti dernièrement la vidéo de Sonic, là, oui. Et j'ai sorti que la première partie, mais la deuxième partie, je sais même pas si je vais la sortir parce que j'ai pas envie. Parce que je sais pas, moi. Donc, qu'est-ce que je voulais dire? Qu'est-ce que je voulais vous dire? Ah oui. Alors, oui, sur cette vidéo, mon objectif, c'était très simple. Je me suis dit, alors, je présente ce jeu, il est trop bien, trop trop bien. Et ensuite, je me suis dit, je vais arriver à 1 100 $. 1 100 $, et j'ai réussi. Vous verrez à la fin de la vidéo. J'ai réussi. Et oui, j'ai réussi. Alors, ce jeu, il est très bien avec ses graphiques de base. Mais au moins, il est de base. Et il est très bien. Vous avez compris? Et même moi aussi. Alors, sur ce jeu, il a la possibilité d'acheter des armes et un couteau. Il n'y a pas que ça aussi. Il y a, je sais pas moi. Et aussi, quelque chose qui ressemble à un os avec un beefsteak là-dessus, là. Et ne se pas manger, que j'aurais bien mangé, hein. Enfin, j'aurais pas dit non. Donc, ce jeu contient plusieurs parties sur cette vidéo. J'étais que à la deuxième partie. Ah oui, parce que, oui, j'ai réussi la première partie sans armes. Et là, sur la deuxième partie, j'ai acheté le petit pistolet, là. Je sais plus comment il s'appelait, mais bon, le petit pistolet. Et donc, qu'est-ce que je disais? Et oui, donc, le petit pistolet. Et oui, donc, j'ai pas réussi à finir la deuxième partie. Et donc, je n'ai rien racheté du tout. Et donc, après, j'ai rien acheté. Donc, là, je suis toujours à la deuxième partie. Et comme vous l'avez vu, ou comme vous allez vous le voir dans la fin de la vidéo, je n'ai toujours pas réussi à passer à la partie 3, quoi. Vous avez compris? Yes? Yes. Bon, dans laquelle. Bon, ouais, alors, j'ai pas fini le niveau et tout. Alors, voilà. Et ce jeu, il est prend très peu de place. Comparé à les jeux de FPS là, Arctic Combat, qui pèsent lourd, 2 gigaoctets, non mais ça va pas, sérieux, 2 gigaoctets sur 8 gigaoctets, bon, enfin moi j'ai 8, mais bon, peut-être vous avez 72 ou 36, je sais plus moi, c'est à 6, non il y a 8, 16 et 36, je crois, pas 72, pourquoi je dis 72 moi, n'importe quoi. Et donc oui, ce jeu, je crois qu'on peut jouer sur... Moi je joue sur iPod, donc on peut jouer sur iPhone tout seul. Et après sur iPad, je suis pas sûr. Parce que tu sais, il y a les trucs là, les trucs qui servent à rien. Là. Et donc voilà. Ensuite, oui, donc voilà, ça prend moins de 2 Go. Bon, ça doit prendre même pas... Allez, 30 mots. Et alors, comme j'ai fait cette vidéo, et eh bien je sortirai donc... Et donc, un gameplay dans 1 ou 2 ou 3 jours ou 4 jours ou 5 jours ou 6, tiens, je sortirai un gameplay sur Black Ops parce que je n'ai pas Black Ops 2 encore, hein, mais je l'aurai bientôt, hein, sûrement, oui. Et donc, je disais donc que je sortirai un gameplay, voilà, donc voilà, et aussi des vidéos sur FIFA avec une meilleure qualité de qualité, enfin, une vidéo qualité, quoi, hein, vous avez compris, et mais bon, si j'ai compris, alors je m'excuse aussi. Pour ma voix, non, je m'excuse pas là. Non, je m'excuse, c'est juste pour la voix, pour les doigts. Oui, pour les doigts. Et donc, je disais pour les doigts. Et donc, je disais donc, oui, pour les doigts. Je n'avais pas envie de craquer mon iPod et d'installer un logiciel pour enregistrer ça, voilà, mon iPod. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à commenter cette vidéo. Et bye bye la compagnie. Alors, j'espère vous retrouver sur ma prochaine vidéo sur Black Ops, sur PS3. Bye bye.